Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie. Alors, on va, à partir d'aujourd'hui, on va appréhender ça de manière différente. J'ai eu un des abonnés qui m'a mis un petit commentaire sympa et qui m'a donné un conseil qu'on va appliquer, c'est la guille. Salut la guille. En fait, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va faire des sorties dépollution. C'est-à-dire qu'on va sortir toutes les mers possibles et le reste, ça sera du bonus. Et là, on est sur le premier trou, avec la première monnaie. Allez, c'est parti, je vous la montre. Vas-y, Max. C'est où, je la vois même plus. Je la vois même plus, c'est où? C'est ta main. Avance. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est une monnaie, ça. Wow. Oh. Oh! Attends, non. J'aurais. Quoi? Quoi? Une médiévale en argent! Quoi? La première! Enfoiré! Oh putain! Comme elle est belle! Oh putain, j'avais pas vu! Je croyais que c'était un pauvre 10 ou 20 fini. On va pas trop la frotter, mais c'est médiéval en argent. Non, incroyable. Regarde, fleur de lys de ce côté. Trop cool. Fleur de lys. Super. Oh putain. Putain. Merde, je crois que c'est une ville de Haguenau, Dreibatzner. Oh, ça donne envie, ça. Regarde la croix qu'il y a dessus. Waouh. Ah ouais, comme celle en argent qu'on a vue. Léopold, c'est une Léopold. Waouh. Elle est bien grande en plus. Oh, elle est nickel. Oh putain, je m'y attendais pas du tout à ça, là. Sérieux. Bon, en même temps... Sur toutes les dernières sorties qu'on a faites, on n'a pas fait grand chose. On n'a vraiment pas fait grand chose. À part la médiévale en argent qui était explosée, ouais. Hein, donc il reste rien, ouais. Elle est détruite. Ouais, et on se disait en venant ce matin, on s'est dit, c'est vrai qu'on ne trouvait pas des masses. Hein. Ouais, ouais, et toi, à part Bertrand qui, au milieu d'un champ de 400 000 m², il me sort une fibule. Ouais, la fibule. Mais sinon, on n'avait rien fait. Ouais. Et là, dans le champ, bingo! La première! Wow. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Incroyable. On avait dit que ça sentait la bonne journée. Elle est excellente. Et en plus, elle est pas trop abîmée. Il manque juste un tout petit bout là sur le côté. Toute belle. Franchement top. Bon. Allez, Max. Ça commence super bien. Et on vous dit à tout à l'heure pour la prochaine monnaie. Une demi-romaine. C'est une médaille ou quoi? Ouais, c'est percé. Ouais. C'est percé, on voit pas. Mais c'est sûrement une médaille. Soit une monnaie percée, soit une médaille. Bon, ok, continue.
bon max. Après avoir démarré sur les chapeaux de roue et une demi-romaine et une petite médaille, c'est passé combien de temps? 3 heures. Au moins. 3-4 heures sans monnaie. C'est toujours pareil, quand ça démarre trop fort, ça, finit trop mal. Ça freine. Bon, allez, on s'est déplacé, il s'est passé quelques heures et on vient de sortir une petite monnaie, elle est là. Bon, ça c'est pas un bouton, hein, c'est une concrétion qu'il y a dessus. Hein. Mais c'est une petite monnaie, je pense que c'est un... Ok, bon allez. On espère que ça va encore vite venir parce que là ça fait 3-4 heures qu'on n'a plus rien eu. C'est un peu énervant, mais bon, on espère avoir une prochaine monnaie bientôt. À la prochaine monnaie. Bon Max, on a fait, allez, 10 mètres. Là, le trou était là. Alors, on a fait 4 heures sans monnaie, voilà. Et ensuite, en 10 mètres, enfin, on pense que c'est pas un bouton, ouais. C'est dans la motte, et c'est toi qui vas nous le montrer. Tout doucement, tu vas m'ouvrir ça. Ah bah ouais. Ouais. C'est pas un bouton, ça. Non, c'en est une, ça. C'est, cool. C'est bien, c'est cool. Cool. Enfin. Bon, il faudra que je la nettoie. Alors Max, t'as vu quelque chose? Ouais, là. Je crois bien que c'est une monnaie. Ouais, c'est une belle monnaie. C'est cool, ça. Ah non, attendez. C'est un médaillon. Regarde, là. Ah, c'est un médaille, c'est une médaille. Je crois que c'est une médaille en alu. Allez, je continue. Max, nouvelle petite cible, elle est où? Ouais, elle est là. Si on met ça. C'est quoi, un fini? Peut-être. Ça, on a la taille. Pas sûr. Je sais pas, je vois pas. C'est bizarre, ça ressemble pas. Bon, je verrai, je nettoierai peut-être, je me trompe. Allez. Ah, j'ai Wardus. C'est un sort qui fait passer deux fois plus vite à le crochet le monnaie.
Bon, une petite monnaie, peut-être la dernière. Hein. Ouais, mais... Elle est sortie comme ça. Tout d'un coup. On sait pas, je vois que c'est une monnaie, on a lu, je pense, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Vas-y. Voilà. Ouais. Petite monnaie, on a lu. Cool. Un franc morlon. Un franc morlon. Année. Je vois pas. Ce côté, ouais, 72, je crois. Je vois pas bien. Je vois rien du tout en fait. 60. Ouais, je sais pas. Non. 47, je sais pas. Comment ça fait nuit? Ouais, je crois que c'est 47. Bon état. Allez. On continue avec la prochaine monnaie. La prochaine monnaie. On a sorti la morlon là. Et dans le même coup de détecteur, c'est sorti là. Et il me semble que c'en est une. Fais voir, c'est où? Attention. Ah bah oui. Oh. Bah oui, c'est une monnaie ça. Et oui. Et une vieille en plus, regarde-moi ça. Quoi que ce c'est. Eh ben, elle est fine. Hein, elle est cool. Je vois pas trop, je nettoierai, on verra bien. Mais il y en a des restes, c'est sûr. Ok, bon. Bon, j'aurais peut-être fait le guignol quand je vais passer à la prochaine monnaie. Mais là, j'ai fait le guignol, par exemple. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez, c'est le soir, soleil couchant. Maxime devant le champ de colza. Non, prends l'air intelligent. Oui. Donc on a sorti la monnaie en alu là, ensuite juste à côté la deuxième monnaie et 5 mètres plus loin là. Qu'est-ce qui est sorti? Là. Ça c'est ça, là, voilà. Et bah oui, la toute petite, c'en est une. Je veux pas un bouton. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est mort. Je pense à un penny, mais celui-là il est mort. À mon avis. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Peut-être à la prochaine monnaie, on sait pas. On sait pas. Mm. Bon, ouais. On devrait être normalement à l'ultime monnaie. La voiture est là-bas, on est en train d'y retourner. On a quand même encore réussi à sortir ça. C'est quoi? C'est assez petit. Patine noire. Non, je pense pas. J'arrive pas. C'est bizarre, j'arrive pas à voir. Ah si, ça y est, j'ai le buste. C'est une 5 centimes là, elle est dans le bon sens. 5 centimes Marianne, ouais, c'est bon. 5 centimes Marianne, j'ai eu un peu peur. Ça aurait été trop beau pour finir, mais bon. C'est la patine noire qui m'a embrouillé. N'est-ce pas, monsieur? Ouais. Bon, Maxime. Il va bientôt faire nuit, c'est le crépuscule. Ouais. Fin de la journée. Donc, fin de la journée des pollutions. Donc, voilà, tu termines de vider le reste. Voilà, journée des pollutions réussie. Ouais, 3-4 kilos, facile. Encore quelque chose là. Ok, donc on est fiers de nous. Ouais. On a fait une bonne journée, on en a sorti des merdes. Il est maintenant temps de nous quitter, donc on va se retrouver. On est où? Là. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que t'en penses? Faites-le, hein. Franchement, c'est gratuit, ça coûte rien, quoi. Voilà, allez, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Salut!